Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais terminer les signes astrologiques, voir les messages que je peux vous transmettre pour cette nouvelle lune du 9 juillet. Donc il en reste 6, on va découvrir lequel, on va faire maintenant. Je tenais à vous remercier pour votre présence, merci pour tous vos jolis commentaires, merci pour tout. Et on va voir un petit peu. Alors, c'est du général, vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Je ne sais pas sur quoi ça va porter, on va le découvrir ensemble. Et voilà. Hop, c'est bon, je suis prête. On y va, on va prendre celui-ci. Allez. Alors, on va faire nos amis les cancers, lion et vierge. Alors, je vous mets ici. Et on va prendre les petits messages. Alors. Allez, on va commencer avec ce magnifique oracle. Le premier message que je peux vous transmettre pour cette nouvelle lune, pour nos amis les cancers, les lions et les vierges. Allez, c'est parti. Ah non, je commençais aussi. Oui, ça, j'avais oublié, excusez-moi. On prend toujours. Je voulais prendre pour cette nouvelle lune un ange. Un message de vos anges. Un petit message de vos anges pour nos amis les cancers, lions et vierges pour cette nouvelle lune. Alors, c'est l'ange Ariel. Qui vient vous transmettre ce message. Alors, on vous dit que de nouvelles expériences psychiques, mais aussi spirituelles, changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels. Donc là, pour les cancers, lions, vierges, pour cette nouvelle lune, ouvrez-vous à vos dons spirituels. On vous dit que vous pouvez vous ouvrir à vos dons spirituels, soit par l'étude, la prière, mais aussi par la méditation. Voilà. Très très beau. Magnifique, magnifique. Allez, on continue. Je mélange Ariel ici et je reprends celui-ci. Allez, c'est parti. Quels sont les petits messages à transmettre pour nos amis les cancers, lion, vierge, pour cette nouvelle lune? Message à transmettre, s'il vous plaît. Alors, je vois pour nos amis Cancer, Lion et Vierge, la tour. Alors, pour moi, c'est un événement qui va se passer. Ça peut être un événement déclencheur, un événement peut-être qui peut vous bousculer un petit peu, soit un événement déclencheur, soit une envie extrêmement forte en fait, ou vraiment un événement, une situation qui va faire que en fait ça va. Je vois que vous allez vous actionner vers un déménagement. Ouais, et pour moi ça peut être une rupture pour un nouveau chemin. Donc ça peut être une rupture sentimentale, professionnelle, voilà, une rupture familiale ou tout autre. Mais en tout cas j'ai vraiment, voilà, on va, pour moi je vois une personne qui va prendre la décision en fait de déménager suite à un événement en fait. Qui va se passer et je vois en fait c'est comme s'il allait y avoir l'événement qui allait se passer suite à cet événement en fait on allait on pense déjà peut-être à un déménagement un futur déménagement ou alors on n'y pense pas mais en fait suite à cet événement pour moi voilà ça peut soulever même des questionnements.
en vous-même en fait, voilà, de peut-être de désirer d'effectuer un déménagement. Et après, en fait, je vois vraiment une rupture. Une rupture. Pour un nouveau chemin, et vous allez vous ouvrir vers un nouveau chemin. Ça peut être un événement assez... peut-être assez négatif. Hein, parce que c'est une carte qui est assez sombre. Mais vous allez vous diriger vraiment vers, vers le soleil. Hein, vers le soleil. Ensuite, je vois que vous allez... je vois une personne qui va effectuer une déclaration sentimentale. Ou une discussion. Alors, si... soit vous qui allez faire la déclaration sentimentale ou la discussion. Soit c'est vous. Soit vous allez la recevoir. Mais je vois vraiment ça. Une déclaration sentimentale. Et en fait, suite à cette déclaration sentimentale, ça va... ça va peut-être faire naître quelque chose de tout nouveau, en fait. De tout neuf, de tout peut-être, de tout sensible, de tout dans le domaine sentimental. Et ça va, je vois que ça va ouvrir aussi des projets, ça va vous ouvrir des projets. Suite à ce déménagement, et suite à une rupture, je vois aussi... voilà, qu'il y a quelque chose dans votre sentimental qui va repartir en fait de plein fouet. Et je vois l'envie aussi, il y a des envies qui vont revenir en vous. Peut-être des envies, voilà, plein d'envies dans différents domaines. Hein. Mais ça peut être aussi dans l'envie d'avoir un enfant. L'envie d'enfanter. Ouais, c'est comme si cette personne, en fait, allait avoir un déclic durant cette nouvelle lune. Suite à cet événement, il va y avoir un gros déclic intérieur. Ça peut être aussi ses guides, hein, qui vont envoyer un gros déclic en cette personne, une grosse prise de conscience dans le domaine sentimental. Et je vois vraiment un déménagement et une rupture. Et une personne se diriger vers une autre personne, déclarer ses sentiments. Je vois une discussion. Avec des projets tout neufs, tout... voilà. Ça peut être une personne... voilà, après ce déménagement, après la tour, après cette rupture aussi, ça peut être une personne, en fait, qui va faire sa déclaration sentimentale, qui va discuter. Mais pour moi, voilà, on sera quand même impacté, on sera touché, on sera fragile. Vous voyez, comme, voilà, assez fragile. Mais on va renaître aussi, pour moi, comme un enfant. Ouais. Alors, ça peut être cet événement, en fait, ça peut être quelque chose qui va blesser cette personne ou mettre cette personne dans une forme de peine. Peut-être ça, le déclic, en fait. Mais ça peut être aussi une blessure, une peine suite à une rupture, hein. Mais après, on va aller de l'avant, on va déclarer ses sentiments, jouer une discussion. Ah oui. Vous allez monter après dans les cieux pour moi. Autour de cette personne, en fait, on peut... voilà, peut-être qu'on peut soit être blessé, peiné tout seul, ou alors c'est aussi peut-être des personnes en fait qui peuvent, ou tout seul, voilà, se ronger le moral, se ronger la santé, voilà.
Ouais, actuellement on peut cette personne peut être dans une forme de tour avec de la solitude, un enfermement, mais je vois de l'ambition et de la stabilité qui va arriver après peut-être après cette rupture. Et je vois une proposition, peut-être un rendez-vous. Proposition, un rendez-vous avec une personne. Et ça va permettre en fait de pouvoir accéder à un autre palier, le palier du jardin, où il y aura des relations sociales, vos relations sociales, clientèle, et une élévation aussi et une réussite. Vous pouvez être très fatigué, ça peut impacter votre santé, votre bien-être. Je vois que vous allez peut-être devoir faire un certain break, justement durant cette nouvelle lune, où vous avez dû faire un certain break à la pleine lune des fraises. On vous parle de la fin des épreuves, hein, la fin d'un cycle. Il y a des changements qui arrivent dans votre vie avec le grand, grand et beau soleil. Relou, relou ce que je pouvais vous dire avec celui-ci. Ah, bien. Alors ensuite, on va prendre ce magnifique oracle et je vais vous transmettre un message avec celui-ci. Alors, pour nos amis les cancers, les lions et les vierges. Pour cette nouvelle lune du 9 juillet 2021, quels sont les petits messages à transmettre, s'il vous plaît? Je vois une personne. Qui va peut-être ouvrir une porte vers sa destinée. Pour permettre d'évoluer en fait. D'évoluer. De faire évoluer des choses, de transformer des choses. Ça peut être lié à des rêves qui sont bloqués. Vous avez des rêves, vous avez des envies et ça peut être bloqué. Peut-être que c'est vous en fait qui avez peur de pas atteindre vos rêves, pas d'avoir peur aussi de pas pouvoir faire évoluer ou transformer les choses, et qu'en fait vos rêves que vous ne réussirez pas vos rêves. Et ça peut être lié à du financier. Et ça, peut-être que vous n'en parlez pas. Peut-être que vous culpabilisez. Vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir atteindre une certaine victoire. Liée peut-être à des trahisons. Je vois un blocage qui peut être au sein même du professionnel, donc ça, c'est un déséquilibre. Ça bloque le financier. Mais je vois patienter pour moi. Patienter. Patienter. Divulguer peut-être pas trop. Tout ça. Parce que je vois qu'il y a de la tranquillité qui va arriver à vous, au sein même de votre foyer. Ça peut être un contrat.
dans le professionnel. Et en fait, je vois une transformation, une évolution. Et vous allez atteindre vos rêves, en fait. Pour moi, par ce contrat. Ah oui. Et votre santé va être au beau fixe et à votre bien-être aussi. Vous pouvez avoir du retard, en fait, à ce que peut-être les choses évoluent, se transforment. Que ça prenne peut-être un certain temps. Mais on vous dit... alors oui, qu'il peut y avoir du retard. Il peut y avoir des échecs. Il peut y avoir certains problèmes. Ça fait partie de votre chemin de vie, pour moi. Et en fait, je vois que... quand ce contrat va arriver, en fait, vous allez sortir d'une certaine forme de protection et je vois une réponse arriver vers vous. Une réponse liée à l'instabilité. Qui peut vous paralyser dans un échec. Mais pour moi, cette réponse que vous allez avoir, c'est ce contrat. Ouais, mais il y a un équilibre qui revient. C'est ce contrat, en fait. Hein. Cette réponse que vous allez avoir. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Ensuite, oh, attendez, waouh, hey, tout tombe. Ah, allez, maintenant on va prendre le magnifique oracle reflet de vie et on y va. Voilà, hop, hop, hop. Attendez, hein. Je prends celui-ci et on y va. Alors, les petits messages à transmettre pour cette nouvelle lune. Du 9 juillet 2021 pour nos amis les cancers, les lions et les vierges, s'il vous plaît. Petit message à transmettre. Je vois un triomphe. Peut-être que ça fait un an que vous, voilà, vous travaillez, vous élaborez ou... que ça fait peut-être un an que vous travaillez très dur pour élaborer en fait peut-être une forme de triomphe. Et pour moi, dans les semaines après la nouvelle lune, vous travaillez peut-être dur depuis un an à un certain triomphe. Et je vois en fait que vous allez être pour moi mis ou mise à l'honneur dans les arts. Ça peut être tout type d'art, hein, confondu, ces prochaines semaines. Juste après la pleine lune, c'est les prochaines. Juste après. Hein. Et en fait, à vos côtés, hein, dans le cercle des collègues, il peut y avoir de l'hypocrisie, hein, par rapport à toutes ces choses. Je vois que vous allez faire un déplacement aussi. Pour moi, la semaine juste après la pleine lune.
Vous allez vous déplacer. Ça peut être lié à un courrier ou un papier administratif. Ça peut être lié à une jeune femme. Ou alors vous êtes cette jeune femme. Vous vous dites rester dans l'espérance. Que vous avez surprotégé en fait votre protection pour moi a encore augmenté durant le printemps. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous transmettre. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort. Passez une merveilleuse nouvelle lune. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. À bientôt.